M'ap salye tout fan mes amis k'ap gade nou, c'est toujours Libezik pote pou anglais Biden. Jodyan pote pou deux questions qui posent souvent en anglais et en pile moun toujours gen petit problème les pour répondre question sa yo. Question qui très basique. Numéro 1 li di, how old are you? Ki l'âge ou? Deuxième question di, what is your date of birth? Qui veut dire qui date naissance ou? Date of birth avant déjà ça gen pile document ou ap rempli. Ou ap trouve un DOB, de vous avez DOB qu'on est date of birth là dedans. Ensuite tout, gena loal soit ou soit habituel non clinique déjà dans l'hôpital, il y a souvent un demande ça. Vous allez apparaître là, il va demander non non dit ou dit on vient checker, vient check in dans l'hôpital là pour car ouvrir dossier, il dit by date naissance. De vous fin by date naissance là, il va DOB, il dit what is your date of birth? OK, ou fin baili, kouna ya yo pral antre nan site nan kouna ya pou nou ap monte otomatikman. Si gen plizye moun ki gen menm dat nesans avek ou, nou ap monte sa mande ou non, juste pou konfime. OK? Bien. Nou sonje avan yèm te mete yon video, m te monte non konte jiska 100. Pa gen pwoblèm piès, men kounya la menm pa trive nan 1000 2000 yo. OK? E sa ke m pral ban non kelke la den ou la m pase k ap kapab ede nou, men nou pral antre nan sa ke le how old are you d'abord? Ok. Qui l'âge? How old are you? Qui l'âge? Pour répondre à question ça, on va l'appliquer formule ça. On va seulement dire c'est. On va utiliser ces sujets. Please to be ok si j'ai plus to be plus l'âge là l'âge l'homme dit la vie dit ouais c'est numéro 1 mon temps après ça on va buy on va dire years old. Years old. L'aime dit ça là qui veut dire ou ka répondre sou ou pas obligé dire I am ou ka utiliser n'importe si j'ai ouvert. Par exemple, et même question là en l'air toute question pas obligé dire how old are you. Il ka utiliser n'importe si j'ai tout. Par exemple, si me dit how old are you, on va répondre là. On va le dire, c'est verbe tout bien, on va le dire I am 30 years old. I am 30 years old. Ou après là, m'applique formule là, j'en le dis. I, c'est si j'ai. M, c'est verbe to be. 30, c'est l'âge là, numéro 1. Et puis à la fin, mettez years old. Et puis, m'fin parler. Ok? Koune m'bal mout, ok? Pour que ça, ou obligé d'appliquer formule là, parce que pas tout le lap I. Ou obligé d'appliquer formule là. Si m'damande, nous avons dit quel âge Marie. Qu'on va lui poser comme ça. On va le dire comme ça. Et. Bien que l'antillan d'ol, que l'a dit moins gain. Mais que le pou. Il y a un monde qui a besoin, il y a un monde qui n'a pas besoin. Moins gain. Moins gain 30 l'année. Ok? Moins gain 30 l'année. Moins gain 30 ans, on va le dire là. Kouna sin da di, how old is Maria? Kon wale bon kesin la kounya la. How old is how old is how old is Maria? Ki laj Maria? Ki laj Maria? Ok? Qui l'âge Maria? How old is Maria? Qui l'âge Maria? Kouna la, ou va répondre, ou va le dire, si j'ai code si j'ai Maria sélectionné, pas vrai? Ou va l'appliquer formule là. Ou pas que pas ou pas que pas boire, il pas que refaire la donne. OK? Si c'est Maria, m'a dit Maria.
plus verbe to be. Pas oublier là, m'te dit M. Maria, c'est un nom qui est au singulier. Li va dans troisième personne singulier. Verbe to be, li va bon is. Ou d'accord? Baka ou gen bon sa non? Ça veut dire. Maria is. Et vous dit Ania, m'dit 20. 20, après ça, mette is au del. Is old. Kounya la, et pas étonné, soit par la fait comme on ouvre seulement dit 20, ya, il va dire is old là, ok? Il va répéter is old là. Nous dit, l'on au niveau qui advance, ou on commence à avancer en anglais, ou on veut vraiment caler, ou on trouve qu'elle pas tellement nécessaire pour dire is old là, mais, et bien qu'elle pas bon non. Des fois, ou on met li, mais c'est comme ça le doué, ok? 20 years old. Gimme gimme on a capté madou 20. 20 ou gata konnen se isol ki del, ou gata konnen sa lui di. OK? Bien. Je veux dire nous dit Maria gen Maria gen 20 ans, OK? Maria gen 20 ans. Là, c'est très facile, c'est très simple. Ça a l'air assez, tout le monde qui a assimilé le cadre, qui a boué très facile. Ok. M'balan comme dit. M'balan dit comme ça. How old are. How old are they? Kou na kote si jenna la, si jenna se they. Ok? Men bo ale pon kesyon tre fasil. E si moun si gen moun ki gen dout koman sa fasa sa vle di. E ma mette l pou. Vle di ki laj. Ki laj yo gen. Ok? Bien. Kou ya la. Nous allons seulement appliquer la formule là et puis nous mettons à faire nous au propre. Nous dit how old are they? They c'est si je m'a dit they. Et puis mettez le verbe moyen qui se fait verbe to be, pas vrai? Are. Et puis is old, pas vrai? They are, mettez 40 years. Forty years old. On a analysé, nous dit they, si j'ai nous, are, qui c'est to be, nous connaît, de vous, et seulement dans troisième personne, non? Avec première qui est une difficulté. Première, elle dit M, troisième, elle dit is, mais toute question c'est are. Ça va pas facile. Souvent, de toujours, dans leçon 3. Alors, dans leçon 8 là, on va venir s'accorder méthode escalier tout le bagage clair pour vous, ok? Leçon 3 avec leçon 8. Ok? Ouais, même dans leçon 4 là, tu vas voir, on bien. Ok, on dit, they are 40 years old. They are 40 years old. Mon cher Yogin, 40 ans. Sorry. Yogin, 40 ans. Ou bien 40 l'année. 40 et 40 café. Bien. Là, on passe là, il est assez clair, pas vrai? On va mettre une dernière petite question. Petite question piège. Pour moi, qui m'a capturé là-dedans? Fais attention. Ok, terrain glissé, c'est une question piège lié. Fais attention. On va aller qui m'a capturé. Ça a demandé logique, ok? Même petite question. M'a dit. How old? How old am I? Ok. How old am I? Qui veut dire? Qui l'âge moi? Ok. Qui l'âge moi? How old am I? Kounya la, sou pa répondre question ça, qui ça parle de kounya la? How old am I? C'est très simple. Nale non. Bonjour question, on va dire comme ça.
Bon, les sont intelligemment. On va commencer avec. Allez-moi. On va commencer avec. You. You are 15 years old. Ok? Kounya là, puisque la question, il pose la question, me dit, qui l'âge moins? Même le parler, on va dire, ou gain? On va dire, moins gain encore, non? Parce que je me demande qui l'âge moins. Je parle, je pose la question, non? Pour une personne. Mais même le parler, on va répondre à la deuxième personne. On va dire, ou gain? Ok? Ça que là, on dit, you are 15 years old. You are, me dit, how old am I? Puis le on dit, you are 15 years old. M'a dit ou gain. Ou gain 15 ans. OK? You are 15 years old. OK? Nous et pas toutes les fois ou est pronom là pour devoir l'utiliser même pour nous devant. Et ça que nous gain ça que nous bien prêt attention ça que les sémantiques pour qu'on ait qui ça mon on veut dire là et qu'on va répondre selon ça mon on poser là. Là me pense pour dossier l'âge. Pas de problème avec l'âge. OK? Pas de problème avec l'âge. Nous allons passer dans la date de naissance. Nous allons passer dans la date de naissance. Nous OK. Nous allons dire, what is your date of birth? What is your DOB? Allez. Okay. Okay. Nous dit, what is your DOB? DOB, your date of birth. Qui date anniversaire ou bien qui date où t'es fait? Dit qui date? Qui date où t'es fait? Qui date où t'es fait? Là c'est question ça. Qu'on a pour répondre date ça, ligue en format. Fais attention pour ne pas toujours suivre format. Format dit comme ça. On parle souvent, après même dans document on prend pli yo. Code qui marqué date après la tour petit format ça l'emballe. Format il gagne pas pour gamer s'il vient, il pas pour chelbe mettre. Le mettre c'est pour guider ou en fonction des schémas de format on va le mettre information ça. Parce que quand on met information dans l'espoir correct et pourtant selon schéma, yo incorrect. OK. Format on va dire comme ça. Your date of birth, en anglais on va gagner c'est month. Month, ou al gagner day, ou al gagner year. Month, day, year. Mais kounya là, si vous pouvez consacrer les adjectifs numéral ordinal, c'est moment pour faire un petit coup de pied à regarder leçon 10 là. Ça comme dit leçon yo interconnecté. Le m'prend 40 leçons basiques en météo parce qu'on en a besoin au plus devant. Dans leçon 10 là, on va un adjectif numéral ordinal. On va prendre alphabet, dans même leçon ça nous fait alphabet, nous fait adjectif numéral cardinal, adjectif numéral ordinal. OK? Qui veut dire ou gain intégral font que tu peux regarder leçon 10 là. Quand il y a la sim ta dit my date of birth. On va répondre ça, je le pose, on va répondre même gens, on va dire my date of birth. My date of birth is voilà daddy mettez
1946. Kounya la m konnen nan mwa gen 12 mwa, sa ka 12, sa ka mwa, pa konn ki sa de ki mwa. Men kounya la, si nan dokiman ou gen nan mwa lan, yo mete format kon sa, lowe MM nan li vle di mwa, day vle di se jou, e pi Y la vle di year ki se ane. OK? Bien. Men kounya la, le pou bay dat la an anglais, gon bagay pou pote atansyon ale. Gon bagay atake le adjektif numeral ordinal. Se pa kardinal non? Ordinal. Par exemple, mbale pou mbale di. E my date of birth. Ok, mga vayekou la deja. My date of birth is. Nale mwe. Nou di mbale is. Puisque nous en anglais, nous disons c'est moi, ça c'est November. My date of birth is November. Is November 12. C'est moi avant votre jour. Moi qui c'est 11 ans, c'est novembre. Jour c'est 12. D'accord? November 12th. Dans le cas, ça n'a mettez TH. Ok, tant pis, s'il vous plaît. Pas de mettez TH. Non. Il a parlé des dates. Il va bien November 12. November 12th. OK, ajouter TH la donne pour qu'on va sonner plus propre, plus classique avec plus précision. OK? Bien. Là, qu'on est là, nous fin dit dans nous va dire année à qu'on est là, pas vrai? Année. Année va dire que ça c'est 19 1946. November 12th, 1946. Parce que dans l'est, ça a été dit, ça, l'été fait. Qu'on a un autre exemple encore. De même question, ça. Si me dit yo, pas bien qu'on est. Il ka n'importe l'autre, pas vrai? Il ka n'importe l'autre. OK. What is his? What is his date of birth? Le mette D-O-B-A, c'est yon siglier. OK. Allez, what is your date of birth? Qui date ou t'es fait? Anniversaire. What is your... Oh, si c'est ma mette yo là, non? Non, ma mette... Ok, ça t'est bien, oui. On fait là. On double des fois. What is his D-O-B? Qui date anniversaire? Ok? Ben là, on va répondre même bien encore. On va seulement dire, appliquer formule pour répondre. What he is. OK. His date of birth is. His date of birth is. On dit date naissance li, année de fête là, c'est. Qu'on va le by date là. On dit c'est 4 juillet, oui, juillet. Juillet, nous dit c'est numéro 7. Puis nous mettez numéro 4 là. Après ça, nous mettez 2000. Mettez 2020. OK, his date of birth is July 4th, 2020. OK, la pensée pour question moi avec jour nous arrivons à ça. Nous quand clair avec ça, oui. OK. Nous là nous dit c'est July 4th, OK? July 4th 2020. OK. Bien. On va continuer avec même trajet.
OK, kounya nou nou va passer nan ane yo parce que nous 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 pas connait comment on dit ane yo des fois, pas vrai? Ane yo gon ti technique là-dedans yo. OK, gon ti technique là-dedans yo. Qui ça technique lundi. Si il commence avec 19 OK, nous va on dit 1980. OK, il commence avec 19. Ou a dit 19 là et puis ou dire ça c'est pareil pour contenu. OK, 1980. Tu veux dire c'est 1980. OK, 1980, ou a dit 1980. OK, 1980. Kounya la sin dans les bail phrase à complet, on va le dire comme ça. Et she was born she was born on July 4th. Okay, she was born, excusez-moi. Bon ça m'a écrit, il y a un R là-dedans. Okay. She was born on July 4th. She was born on July 4th, 1980. 1980, on dit comme ça. 1980. Exact. L'a écrit comme ça parce que et yo vinn fusionner ensemble, yo vinn font faire ensemble dans situation ça là. OK? She was born on July 4th 19 OK? No, she was born on July 4th 1980. OK? 1980. Et si m'da dit comme ça, li fait en 2000. Mais dit tout, l'ité là en 2000, ah oui. Et non m'a dit oui, fait en she was born. OK. She was born. OK, she was born in OK. OK. She was born on December. She was born on December. December 1st. She was born in December. No, sorry, say on. Puis les gens vont nous poser on, d'accord? Ma vie avec un coup pour monter pour que ça nous utilise on là, pas dit en. OK, nous fixons nous dit dans décembre. OK? Et gain fois tu avoir devoir dire après dit là tout. December 1st. December 1st. 2000. Comment dire après ça en anglais? Tout le monde bébé. Pas gain rien, nous va dire comme ça. She OK, on a dit 2000, OK? 2000. She was born in 2000. On a seulement dit 2000 et vous faites accent. OK? She was born in 2000. OK? Nous avons... Il y a l'option qui est là. Comment est-ce qu'il y a l'option qui est là? L'option qui est intéressant. Si je me sens, je vais venir avec vous, d'accord? Même de là, l'essentiel, c'est ça. Au besoin, pour qu'on ne puisse pas date naissance ou les romans d'olé en anglais. OK? On va seulement appliquer la formule là. Nous disons, c'est moi... jour et puis année moi jour et puis année c'est comme ça pour capable rester soudé pour remplir un formulaire les romans de date naissance là où on est comment pour bailler l'âge ou qu'on comment pour bailler date naissance ça veut dire on va pas la ville encore qui est là. OK, ou ça fait là pour abonner partager puis activer cette cloche là. OK, comment vous êtes disponible nous on groupe la formulaire pour commencer dans mois juillet là
prend place ou. Nous gagne des nous spécial là. Nous tout gagne plan régulier qui était normal. Mais nous gagne spécial seulement $50 inscription. Ou capable entrer dans un dans groupe yo. Comme son plan économique mais c'est même matériel là. OK? Pas gagne doute la donne, pas gagne problème avec qualité, même matériel là seulement a bien plus pour dans groupe là. Ça que nous faire l'économique pour monde qui pas gagne moyen. Pour terminer maintenant encore.